Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui, dans cet épisode de l'éclat du cristal, on continue d'explorer des éléments de la saga avec, cette fois-ci, en vedette, un lieu de Final Fantasy Type 0, Ingram. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Ingram est la capitale de l'Empire de Milites dans Final Fantasy Type 0, et c'est là que se trouvent le Peristylium Blanc et les Aciéries. Le Peristylium est une organisation qui mène des recherches sur l'énergie du cristal du Tigre Blanc, dirigée par le maréchal Cid Holstein. L'énergie qui alimente la technologie impériale provient du cristal du Tigre Blanc, permettant aux Milites de construire une ville d'envergure. Ces différents quartiers sont numérotés plutôt que nommés. Yorg Paradis était un modeste seigneur d'Azur qui rencontra le Elsie du Tigre Blanc en 174, 3 ans avant de se faire couronner empereur de Milites. Son étude de la technologie à base de cristaux a conduit à l'invention des armes à feu. Son asservissement d'Azur fut rapide et impitoyable, et de ses cendres s'éleva Ingram dans le nord, la capitale choisie pour abriter le Peristylium Blanc alors que Paradis faisait sa déclaration formelle d'Empire. Ingram est depuis lors la capitale de Milites. Après que le maréchal Holstein ait usurpé l'Empereur, subjugué le cristal du Tigre Blanc et lancé une offensive sur le reste d'Oriance dans le but de dominer le monde, le commandement central du Dominion de Robrom détermine que la nouvelle armure Magitech de l'Empire constitue une menace importante. Le Conseil des 8 décide d'envoyer une unité spéciale à Ingram et la classe 0 reçoit l'ordre de détruire l'aciérie et les installations de recherche et développement chargées de produire les nouveaux prototypes. Les cadets infiltrent l'aciérie avec l'aide de Nagi Minatsuchi et détruisent le prototype d'armure Magitech Brionac conçu pour déployer la bombe Ultima. Le LC du Tigre Blanc Nimbus affronte les cadets, mais n'a pas toute la puissance du cristal derrière lui et ne parvient pas à terminer les cadets avant qu'un cessez-le-feu ne soit appelé. La reine Andoria du royaume de Concordia et son convoi de dragons traversent la ville impériale en déclarant le pacte Fabula et tous les combats doivent cesser immédiatement. Le commandant de la classe 0, Kurasame Susaya, se rend à Ingram en tant qu'assistant du chancelier Kalia Shival VI et négocie pour la sécurité des cadets. Les cadets ne sont pas d'accord avec le traité de paix, considérant Milites comme l'agresseur de la guerre, mais rencontrent personnellement la reine Andoria qui implore que la paix soit la volonté des cristaux. Alors que les chefs des états d'Oriance se réunissent pour des pourparlers d'armistice, les cadets sont libres d'explorer la ville jusqu'à leur prochaine mission, bien qu'il soit sous surveillance. Makina Kunagiri est appelé pour parler au commandant du Dominion en privé. Le commandant manipule Makina pour qu'il devienne un informateur sur ce qui concerne Aresia Al-Rassia, la mère adoptive et bienfaitrice des cadets de la classe 0 et chef de la division de sorcellerie d'Academia, ainsi que les cadets de la classe 0, en affirmant qu'Aresia et les cadets étaient responsables de la mort d'Izana, le frère de Makina. À l'extérieur, King et Deuce parlent à Arya, une aide-soignante qui était venue à Ingram pour soutenir la classe, qui semble trop timide pour même ouvrir la bouche. Alors que les deux l'encouragent à s'exprimer, Arya révèle une nouvelle facette en tant que fille bavarde qui avait réprimé sa vraie nature en raison de l'instruction de sa mère de ne pas énerver les gens. Alors que les cadets errent dans les rues, ils découvrent que de nombreuses troupes impériales sont mécontentes du cessez-le-feu et choquées et consternées de découvrir que les infâmes Diables Rouges ne sont que des adolescents. Deuce et Quinn explorent la ville ensemble et repèrent un membre du Dominion dans la ville, devenant méfiant. Après le retour des cadets à l'hôtel Armada, Makina et Rem sentent leur pouvoir s'estomper, ce qu'ils identifient comme l'effet du brouilleur cristallin de l'Empire.
Tout le monde est alarmé en réalisant qu'ils sont tombés dans un piège et Arya se précipite dans la pièce pour avertir les cadets. Elle est abattue par un tireur d'élite et s'effondre sur le sol. Rhaem veut s'occuper d'elle, mais Makina exhorte tout le monde à se disperser pour éviter le sort d'Arya et les cadets se frayent un chemin pour échapper à la ville. Il s'avère que la reine Andoria a été assassinée et que la classe 0 en est accusée. Incapable de contacter le commandement, la possibilité qu'ils aient été livrés à eux-mêmes est soulevée. Après avoir vaincu Vajra, l'armure magitech envoyée pour les éliminer, les cadets affrontent Celestia, l'aide de la reine, qui, de même, les tient coupables du régicide. Elle envoie son dragon aux cadets et bat Makina et Rhaem, mais Deuce empêche les autres de l'attaquer. Celestia rappelle le dragon et les cadets expliquent leur version de l'histoire. Celestia dit que les dragons les croient et les aide à s'échapper de la ville vers une maison déserte dans la région du vieux Lorica. On apprend plus tard que le Conseil des 8 a déterminé le cessez-le-feu comme terminé dès que la nouvelle de l'assassinat de la reine Andoria s'est répandue, et donc que la guerre contre l'Empire reprendrait immédiatement. Ainsi, le chancelier et son entourage s'étaient retirés dans le Dominion à la première occasion. Le trône concordien est hérité par un roi qui s'allie à l'Empire et remet le cristal du dragon azur du royaume à la protection impériale, suscitant des rumeurs de complot. La coalition Milites Concordia s'effondre lorsque Concordia capitule devant le Dominion et que les forces de Milites sont anéanties par l'invocation Alexander, invoquée par le Elsi Setuna de l'oiseau vermillon. Alors que le Dominion concentre ses forces pour prendre l'Empire, les villes de Milites entourant Ingram tombent une à une jusqu'à ce que les légionnaires du Dominion marchent sur Ingram. Arya a été prise en charge par le général de Milites, Kator Bashtar, et soignée. Elle est si reconnaissante de son aide qu'elle se consacre à lui et refuse de retourner dans le Dominion, même à la veille de la bataille finale. Voyant la reddition impériale inévitable, un scientifique de Milites équipe l'armure magitech du général Kator Bashtar, Gabriel, avec un prototype de bombe Ultima, prévoyant d'anéantir les forces d'invasion d'Ingram. Réalisant ce qui se passe et ne voulant pas voir Ingram détruite, Bashtar fait voler Gabriel dans l'atmosphère où la bombe explose au large de la ville. Alors que Cid Holstein s'enfuit, le péristylium blanc tombe et Oriens est uni sous la bannière de l'oiseau vermillon. Arya perd tous les souvenirs de Bashtar et erre dans les rues d'Ingram sans aucune idée jusqu'à ce qu'elle soit abattue par les troupes de Milites restantes. Les célébrations de la victoire du Dominion sont de courte durée alors que Tempus Finis commence et que les Rursus dévastent Oriens. Le pouvoir des cristaux s'estompe et Ingram adopte l'énergie éolienne. Voici une liste des lieux notoires de Ingram. La Scierie est une usine de recherche magitech près d'Ingram où l'Empire fabrique des armures magitech et conçoit de nouveaux prototypes. Il est visité lors d'une mission. Vient ensuite l'hôtel Armada, qui est l'endroit où séjournent les invités VIP, tels que la reine Andoria et même la classe 0 à un moment donné. Il est luxueux et bien gardé, mais comme le note Trey, certaines des pièces ressemblent à une résidence surveillée avec leurs fenêtres à barreaux et leurs sorties gardées. Lorsque la classe 0 séjourne à l'hôtel, Mog peut être trouvé à l'extérieur, offrant des simulations de combat dans l'arène, ou permettant aux cadets de passer à la mission suivante. Enfin, il y a le système ferroviaire d'Ingram qui fonctionne partiellement sous terre, avec des trains qui filent dans les tunnels. De nombreuses voies de service et quais de chargement se trouvent également sous terre. Il y a plusieurs quêtes qui se déroulent à Ingram.
Assaut sur Ingram est une mission du scénario principal. Il s'agit de la deuxième mission du scénario principal du chapitre 3. Le niveau de mission est 22, et la mission voit la classe 0 déployée dans l'usine de fabrication de Milites, à côté du Peristylium blanc, pour détruire les précieux prototypes d'armure Magitech de l'Empire. Fuite de la capitale impériale est une mission du scénario dans le chapitre 4. Son niveau de mission initial est de 23 et n'a aucune limitation concernant le pool de participants. Après que les cadets soient pris en embuscade à l'hôtel Armada, ils doivent fuir la ville. Il y a également une tâche secondaire confiée par Clemente du district 0714 qui veut que les cadets montrent leur prouesse à la reine Andoria. Cette tâche est destinée à être accomplie dans un New Game Plus et donne une pierre précieuse draconique. Les illustrations présentées dans l'un des ouvrages de Final Fantasy Type 0 révèlent diverses premières ébauches de la capitale impériale qui impliquaient de l'élever de la terre d'une manière ou d'une autre. Le Peristylium blanc devait être une ville soutenue sur les plaines de neige par des piliers. Dans le jeu final, la ville est simplement protégée par des remparts et la structure du Peristylium blanc domine la métropole. Voilà qui conclut cette vidéo concernant Ingram, la capitale de l'Empire de Milites. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant que la guerre est terminée, je vous suggère d'ajouter cette destination à votre liste de vacances. C'est un voyage culturel à ne pas manquer, surtout en attendant le prochain épisode de L'éclat du cristal.